Merci madame. Black Panther là.
soir. Waouh! Je pense que c'est le moment de prendre une photo avec la projet. Applaudissements! Alors, pourquoi avoir choisi ces personnages-là? Parce que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs? Est-ce que vous êtes d'accord, Gabriel? Ah, bien sûr. D'accord. Et alors, combien de temps ça vous a pris pour faire ces costumes? Moi, 1 heure et demie. 1 heure et demie. Avec le make-up? Oui. Ah oui, quand même. Et vous, Starland? Le temps de la douche. Le temps de la douche. Alors, est-ce qu'on pourra avoir un dernier petit dance move, s'il vous plaît, Starland? Allez, à faire avec tout le monde, s'il vous plaît, on y va! J'adore! Merci beaucoup, on peut les applaudir! Bravo, 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 merci beaucoup! Merci beaucoup! Allez, une dernière fois! Bravo, bravo à tous! Cette soirée est dingue! Je rencontre tous mes personnages! Bon! Il est temps, je crois! Il est temps d'accueillir tous les autres personnages inoubliables! Ah. Il y a même peut-être Dr. Strange! C'est magnifique! Good evening, ladies and gentlemen. Je suis Jonathan et en tant que grand fan de Marvel, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir ici à cette conférence exclusive. As a huge Marvel fan, it's a pleasure for me to greet you tonight here at this exclusive conference. Thanks to our guests, you'll learn about the richness of the Marvel Universe and how it materializes in the world and in Disney parks. Grâce aux invités ce soir, vous allez découvrir la richesse de l'univers Marvel et comment il prend vie à travers le monde et dans les parcs Disney. Mais avant, rappelez-vous, il y a un mois, Spider-Man, Thor, Captain America, les Gardiens de la Galaxie débarquaient en force ici, à Disneyland Paris. Before getting started, folks, let's take a look back at the epic launch of Marvel Summer of Superheroes here at Disneyland Paris. Good evening. Welcome to tonight's official opening ceremony, the world premiere. In fact, the universe's premiere of our season Marvel Summer of Superheroes. Let the adventure begin. Cette saison actuellement ici. Et bien je vous propose maintenant d'accueillir notre premier invité. Il nous vient tout droit de Los Angeles, il travaille à Marvel Themed Entertainment, il en est le directeur créatif. Let's welcome our first guest, ladies and gentlemen. He's from Marvel Themed Entertainment, he's a creative director. So let's hear it for Brian Crosby.
François Ryan. Hello, how are we doing, Marvel fans? This is an awesome night. This is great. It is an awesome night. Brian, can you tell us more about your missions at Marvel Themed Entertainment? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rôle au sein de Marvel Themed Entertainment? Sure. Marvel Themed Entertainment, we are the newest division in Marvel. And so I'm sure you've heard of Marvel Studios, Marvel Comics, Marvel Television. These are the big guns that everybody's seeing. But Marvel Themed Entertainment, we're new on the scene. We've been around for about 3 years. And our job is to bring the characters to life for you guys in the Disney theme parks and other places around the world. Vous connaissez bien sûr les films Marvel, les séries télé, les comic books, les jeux vidéo. Eh bien, Marvel Themed Entertainment, ils ont pour mission de donner vie à tous les personnages Marvel et à leurs histoires à travers le monde. But to tell that story, I gotta go back. I gotta go back a little bit to when I was a kid and tell you who I was. I grew up loving Disney parks. I grew up about 15 minutes from Disneyland in California in the United States. And these three things behind me were the things that I loved. I loved Disneyland, I loved the Marvel superheroes, and I loved comic books. Donc Brian est né tout près de Disneyland en Californie, il y rendait souvent visite pendant son enfance. Il y a trois choses qu'il adorait, c'est bien sûr Disney et Disneyland, les comic books et Spider-Man. And just to prove that I'm not making this up. C'est la preuve. Thank you. Six years old at Disneyland with Mickey Mouse. And I really did dream of doing this. That was my dream, was to bring all these characters to life. Donc voilà, comme vous le voyez en photo, c'est la preuve, hein, il avait toujours nourri le rêve de travailler pour Disney. But I never really thought that was an actual job that people could do, because when you watch a TV show or a movie as a kid, you didn't stay through the credits, right? You didn't know who those people were. But in Marvel Comics, the credits are at the front. And so I'd open up a comic book and see names like Todd McFarlane, Stan Lee, Jack Kirby, and I wanted to be one of those guys. Donc bien sûr, il voulait travailler pour Disney, mais il savait pas quel métier faire, puisque dans les parcs Disney, il n'y a pas de générique comme dans les films, ou par exemple dans les comics Marvel, où vous avez les auteurs en première page. So I got my big break in 2005, working at Walt Disney Imagineering, and that's the division of the Disney company that brings all of the parks and to life. Hotels, resorts, all that kind of stuff around the world. And I worked on a variety of projects for about 10 years. I worked on Alice in Wonderland, Finding Nemo, Submarine Voyage, It's a Small World, Tron, just a bunch of stuff. Even Star Wars I worked on for a long time. But I really found my niche, really found my spot working on Marvel. Donc Brian a réalisé son rêve en 2005, il a rejoint les équipes de Walt Disney Imagineering, donc c'est la division qui crée et qui réalise les attractions, les histoires dans les parcs à thème, et il a travaillé sur des attractions comme Haunted Mansion, le Submarine Voyage de Nemo, Tron à Shanghai, mais voilà, les fibres qu'il avait c'était plus pour Star Wars et Marvel. And so, I was so excited about Marvel when Disney bought Marvel. It was like Christmas morning to me. I opened up my computer and there it was. Disney had bought Marvel. And I worked on anything and everything I could Marvel related. And the first thing we did was nothing big. It was a monorail to celebrate the first Avengers film. Et lorsque Marvel a rejoint la famille Disney, c'était un cadeau de Noël pour Brian puisqu'il s'est dit je vais travailler sur tous ses projets. Et le premier, c'était le monorail de Walt Disney World avec un thème Avengers pour célébrer la sortie du premier film. And the second project we did was a little bit different. It wasn't actually a Marvel character project at all. In fact, we took the Disney characters and Disney attractions and turned them into comic books. We launched a whole new line of comics called Disney Kingdoms. And we did this line of comics that you're seeing on the screen in front of you. Seekers of the Weird was the first one, based on an old Walt Disney idea. Figment, based on an attraction from Epcot. Big Thunder Mountain Railroad, which you're very familiar with here. Haunted Mansion, kind of like Phantom Manor. And Walt Disney's Enchanted Tiki Room. Et l'un des projets de Brian, c'était vraiment de mêler l'univers Disney aux comic books, en réalisant ses œuvres inspirées des attractions cultes de Disney, comme Big Thunder Mountain, La Maison Hantée, bien sûr, et aussi le Seekers of the Weird, qui a inspiré d'une attraction qui n'a jamais été réalisée, mais que Walt Disney avait imaginée à l'époque. But my first love is still sitting down and drawing. And so I, of course, when we started working on these comics, I had to draw a little bit myself. And so these are a couple of the covers that I did. Et bien sûr aussi, Brian, parmi ses multiples talents, est aussi illustrateur et il a été mis à contribution pour des couvertures telles que vous les voyez ici. And then I started working on some other projects at the Disney parks. I became a special events illustrator. And so I drew things like Groot, our friend from Guardians of the Galaxy, Haunted Mansion, Sleeping Beauty, all kinds of different projects that kept me busy in drawing. Et en tant qu'illustrateur, Brian a pu mettre sa patte sur les univers tels que The Haunted Mansion, Groot, des Gardiens de la Galaxie et d'autres univers fantastiques. So after working on all these projects, for about 4 or 5 years at Disney, Marvel called me up.
and asked if I would come work for them full time. Et après quelques années passées à Imagineering, et ben Marvel a rappelé Brian pour lui proposer un nouveau rôle. And so that's where we created Marvel Themed Entertainment, and it was really all about bringing these characters to life in the parks. And so I showed you the monorail, but the first thing we wanted to do, we wanted to do something big, a big new attraction. And so the first attraction we did launched at the beginning of last year in Hong Kong Disneyland, and it's called the Iron Man Experience. Et donc à Marvel Themed Entertainment, cette nouvelle division que Brian a rejoint, sa première mission c'était de faire la première attraction Disney inspirée de Marvel. Et ça a été réalisé à Hong Kong Disneyland avec Iron Man. And so I'm not sure if any of you have gone or if you're going to get to go, but I brought you a little clip so you guys could see kind of what it's like. Et on va vous emmener à Hong Kong en vidéo. Figure out how Marvel lives in the Disney theme parks, because Marvel happens in the real world. They would come to Paris, they would come to Hong Kong, they would go to New York, and so these are real places, and so we had to figure out a way to make that story real and happening actually in Hong Kong. Voilà, l'un des plus gros challenges c'était d'adapter l'univers Marvel, qui est un univers réaliste, puisque les super-héros, on les voit dans les films, aller à New York, à Paris, à travers tout le monde. Donc c'était d'en trouver une place et une histoire pour qu'ils s'intègrent dans nos parcs Disney. And not only that, but when you watch a Marvel movie or you read a Marvel comic book, you're doing kind of exactly what you're doing right now. You're sitting immobilized in a chair and the action happens in front of you. But when you go to a Disney theme park, the story is about you. And so we had to make a Marvel experience where you are the star of the story. So in the case of the Iron Man experience, you get caught up in the action and have to fly with Iron Man over the bay and fight the forces of Hydra. Et l'autre challenge en adaptant Marvel dans nos parcs Disney, c'est que contrairement au film où nous sommes tous spectateurs devant l'écran, c'est que dans les parcs Disney, vous êtes au cœur de l'action, vous en êtes les principaux acteurs. Et c'est le cas à Hong Kong, où vous accompagnez Iron Man dans une de ses aventures et vous survolez la baie de Hong Kong avec lui contre les vilains robots de Hydra. And so we work very closely with Walt Disney Imagineering and all of our partners at Disney to bring that same level of immersion that you guys are used to as fans of the Disney parks, but bring it to the Marvel brand. And we didn't stop there. Because last year we launched also our second attraction in Anaheim at Disney California Adventure called Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Et la deuxième attraction, c'est en Californie. Elle a ouvert l'année dernière à Disney California Adventures et ça a été inspiré de Guardians of the Galaxy Mission Breakout. And again, I'm not sure if you're going to go, so I brought you another clip. Donc pour ceux qui n'iront pas encore en Californie, ben, on vous envoie une petite vidéo. What's interesting is, you know, we can't just replicate what you've seen in the movies or read in the comic books or watched on TV. So we're creating completely new stories that you've never seen before. In this case, Rocket himself, again, the story's about you. So Rocket recruits you to help liberate the Guardians of the Galaxy from their captivity of the Collector. Et voilà encore une preuve que vous êtes au cœur de l'action. Dans cette attraction, vous allez aider Rocket à délivrer les gardiens de la galaxie qui sont prisonniers de la forteresse du collectionneur. And one of the blessings of working at Marvel and at the Walt Disney Company is that we have so many partners that get excited about these new ideas.
So we create these new stories in the parks, and then the comic book creators get excited, and so they take things like the Collector's Fortress and bring it into the comics. So we did whole new comic book stories and even a whole season of Guardians of the Galaxy, the animated series, devoted to Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Et là, vous le voyez à l'écran, la boucle est bouclée puisque les attractions inspirées des comic books Marvel deviennent à leur tour des comic books. Mais en parlant de Mission Breakout, talking about Mission Breakout, we have a surprise for our guest tonight. We do? Yes. Dehors, la Tour de la Terreur, la nôtre, et bien ce soir uniquement, elle va être transformée aux couleurs de l'attraction californienne. So tonight, there's going to be projection on our Hollywood Tower Hotel with the colors of Mission Breakout. So that's a nice present that you brought us, Brian. Thank you. That's awesome. All right, hope you guys enjoy that. All right. So at Marvel Theme Entertainment, in addition to Disney theme parks, we're busy with a lot of other ideas too. And so we just launched the last couple years a big arena show, a big stunt spectacular that brings the Guardians of the Galaxy, the Avengers, Doctor Strange, Spider-Man, brings them all to the table for the first time to battle Loki and a bunch of other villains. And so, again, I'd like to show you a little bit about what that looks like. Et bien sûr, l'univers Marvel, ça va au-delà des parcs Disney, puisqu'à travers le monde en ce moment, il y a une tournée d'un grand spectacle live qui s'appelle Marvel Live, et on va vous montrer un aperçu en vidéo. Marvel Universe Live, Age of Heroes, where your favorite Marvel superheroes and villains come to life. A thrilling storyline, epic action, non-stop excitement. It's the ultimate family experience. Join Spider-Man, The Avengers, Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, and Hulk. Even Loki's here to wreak havoc? And Doctor Strange, Wasp, Black Panther, Iron Fist? Wait a minute, you mean to tell me they're all in this show? Okay, Green Goblin, Electro, Lizard, Rhino, Black Cat. Oh man, even these guys show up? Marvel Universe Live, Age of Heroes. Come witness all, yeah, all of your favorite characters in the same place, live. Thank you. So as you can see, it's a huge cast. It's epic. It's really exciting. Have any of you seen this? Nobody? All right, you guys have homework. You got to go see it. Donc comme vous le voyez, c'est un énorme casting qui traverse le monde actuellement pour montrer justement aux spectateurs ce que c'est de vivre des intenses sensations avec Marvel. But as much fun as these big shows are to create, sometimes you just want to get to meet the characters. You want to meet King T'Challa himself, you want to meet Tony Stark. So over the last few years, as you guys have started to see in the parks here, we're bringing these characters to life for the first time for you to actually meet and greet with. Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man, Groot, Black Panther and the Dora Milaje. Stan Lee himself was so excited that he wanted to go all the way to Hong Kong and meet Iron Man. Et parmi les missions de Marvel Film Entertainment, il y a aussi bien sûr de créer des rencontres uniques avec les personnages afin de créer des souvenirs inoubliables avec Iron Man, Doctor Strange ou encore Black Panther. Par contre, Stan Lee, ce n'est pas un personnage. It's just a cameo, right? And a few other projects that we've been involved in at Marvel Themed Entertainment, the Disney Cruise Line. We just wrapped up our first season of Marvel Day at Sea, a whole complete other set of experiences you can experience on the ocean. Marvel Universe of Superheroes, a museum exhibit devoted to 80 years of Marvel Comics history. Avengers Station, where you can become an Avengers recruit and learn about the science of the Marvel Universe. And the Marvel Experience, where you get to become an agent of S.H.I.E.L.D. and train alongside all of your favorite heroes. Et parmi les nombreuses autres expériences Marvel à travers le monde, il y a bien sûr nos bateaux de croisière Disney Cruise Line, mais également des expositions itinérantes et interactives, et bien sûr des attractions à travers le monde. You're probably asking yourselves, well, that's all really cool, but what about us here in Paris? Well, we haven't forgotten about you. In fact, we're just getting started. This summer, as you've seen, we're doing the Marvel Summer of Superheroes, which we're very excited about. Donc bien sûr, et nous à Paris, qu'est-ce qu'on devient? Eh bien, ça vient de commencer. Brian nous le promet, ce n'est que le début. On vient de lancer la saison des super-héros Marvel, et la suite arrive très vite. But you're probably wondering what's next. That's great, you're gonna have a lot of fun this summer, but we just announced a couple of months ago that we are bringing a completely new Marvel-themed land right here to Disneyland Paris, where you're gonna get to discover your own origin story. I can't tell you a lot about it, not yet, but trust me, you guys are gonna love it. Et donc la prochaine étape, on va monter en puissance puisqu'on a annoncé cette année le développement d'un énorme plan d'expansion qui comprend une zone Marvel ici au Walt Disney Studios. Additionally, we've also announced that we're taking the Disney Hotel New York and we're turning it into the Disney Hotel New York, the Art of Marvel, where we're going to celebrate
all the 80 years of Marvel Comics art, the art that goes into making the films. In fact, I'm so excited, I'm going to do a piece myself that's going to be featured in there. So, it's going to be fun. Et parmi les projets de Marvel à Paris, bien sûr, la transformation de l'hôtel New York, qui va célébrer l'art de Marvel, des comic books au concept art qu'ils font pour les films. Et parmi ces œuvres, eh bien, on aura Brian qui va nous offrir quelques œuvres de sa main, de son pinceau. Honestly, you guys, I could be here all night and talk about the fun stuff that we're involved in around the world. But really, I just want to say thank you so much for having me. It's for you guys that we do this, so thank you. Thank you so much. Thank you, Brian. Merci beaucoup. Et maintenant, écoutez, on va accueillir notre deuxième invité. Il est metteur en scène de la saison des super-héros Marvel ici à Disneyland Paris. Let's welcome our second guest. He's the show director for Summer of Superheroes. Merci d'accueillir Aurélien Berda. Sympa l'entrée, j'aime beaucoup. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi. Bonjour Jonathan, bonjour Brian, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce soir ici. Parce que vous êtes nos spectateurs les plus fidèles, parce qu'on vous voit quand même assez souvent ici, et ça me fait vraiment très plaisir, ça m'émeut un petit peu de vous rencontrer tous là dans cette salle et au cours de cette soirée et de ces conférences. Moi je m'appelle Aurélien Berda, je suis metteur en scène, je fais partie de l'équipe des metteurs en scène de Disneyland Paris. Ça fait 10 ans que je travaille à Disneyland Paris, j'ai commencé en tant que comédien et je suis passé ensuite metteur en scène, et j'ai eu l'occasion de travailler sur des très beaux spectacles, donc je suis vraiment ravi, j'ai eu la chance de travailler sur La Forêt de l'Enchantement, une aventure musicale Disney, je sais pas si vous l'avez vu. C'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Merci, deux personnes en fait. Donc sur les deux saisons, donc ça fait une personne par saison. Le suivant spectacle, j'ai collaboré la saison de la Force, donc tout l'univers Star Wars, j'ai aussi collaboré sur le spectacle La Jedi Training Academy. J'ai eu aussi l'occasion de travailler sur Tuesday Guest Star, les personnages qui sortent les mardis sur Main Street, et aussi bien sûr ce qui nous réunit ce soir, Marvel, donc l'été des super-héros Marvel. Donc moi je suis là pour vous expliquer un petit peu plus en profondeur comment est-ce qu'on a créé ces spectacles. Donc je vais commencer ici donc, par le spectacle qui s'appelle Marvel, l'Alliance des super-héros, donc qui se joue à Cinémagique. Enfin sachez maintenant qu'on n'a plus le droit de dire Cinémagique, mais ça s'appelle Studio Theater. Donc mettez-vous ça un petit peu dans le cadre, parce que moi ça a été un peu compliqué parce que j'ai travaillé en tant que comédien sur Cinémagique. Un hommage à la magie du cinéma. Nous vous rappelons que l'usage de téléphone portable est interdit. Merci. Ça vous manque ? Et donc voilà, donc sur ce spectacle Marvel, l'Alliance des super-héros, donc c'est la première fois à Disneyland Paris qu'on a autant de super-héros Marvel qui sont réunis dans un seul spectacle. C'est même pour la première fois dans tous les parcs Disney dans le monde qu'on a autant de personnages Marvel qui sont réunis. Pour l'histoire, donc je vous la fais très rapidement, j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont vu, donc Thanos a eu donc l'idée machiavélique de tourner les Avengers les uns contre les autres. On passe à des moments donc, par des flashbacks où Black Widow nous explique que nous avons tous un super-héros en nous, et qu'il y a au fond de chacun d'entre nous un petit garçon solitaire, une petite fille un peu timide, prêt à se transformer en héros et à se battre pour ce qui est juste. Et on a aussi donc à la fin une grande scène de bataille qui rend vraiment hommage au film Marvel. Là on a donc Captain America et Iron Man qui se battent l'un contre l'autre. Et donc on a dû faire appel à transformer donc les films au théâtre, et donc dû faire appel à beaucoup de technologies. Donc on a bien sûr notre technologie habituelle de projecteurs de lumière par exemple, on a plus de 80 projecteurs de lumière ici, on a 30 projecteurs vidéo mais j'y reviendrai un petit peu après, on a aussi de la fumée, on a aussi de la pyrotechnie de scène, donc c'est quand même des feux d'artifice sur une scène, et on a aussi des drones sur la scène, on a aussi une voiture volante, on a également un ovni volant, et on a aussi surtout beaucoup de surfaces de projection, parce que comment justement transformer les décors, pouvoir passer d'un décor à un autre, on a voulu vous immerger vraiment au cœur de l'univers Marvel, donc ici autour, vous voyez autour de vous, vous avez des surfaces de projection sur les côtés, de chaque côté ici, et aussi toute l'arche de scène est une surface de projection, le sol, il y a 400 mètres carrés de surface de projection, nos pendrillons, donc tous nos rideaux de scène sont des surfaces de projection également, derrière vous, vous avez un écran LED qui est l'un des plus grands d'Europe, qui est également une surface de projection, donc il y a également donc, ces deux modules-là qui sont des surfaces de projection. En tout, on a 1 km² de surface de projection. On commence à pouvoir se retourner un petit peu sur la surface de projection. C'est un peu grand. Donc on est vraiment ravis d'avoir pu vous offrir tout ça ici et de permettre aussi à d'autres spectacles de pouvoir utiliser cette technologie. Donc Marvel, l'Alliance des super-héros, c'est un spectacle qu'on peut retrouver jusqu'à 5 fois par jour ici, à Studio Theater. J'espère que vous l'avez bien compris maintenant.
Et donc on est vraiment ravis de pouvoir le proposer. Il y a également des spectacles qui se jouent en extérieur. Il y a le spectacle qui s'appelle Danse avec les gardiens de la galaxie, où Star-Lord et Gamora sont poursuivis par des capteurs thermoplasmiques lancés par le collectionneur. Donc d'ailleurs vous allez pouvoir voir un spectacle ce soir de ce spectacle que j'adore, parce que ça permet de réunir justement beaucoup de musique, puisque pour surcharger les capteurs d'un coup, il faut que vous, nos visiteurs, et surtout vous, nos visiteurs détenteurs du pass annuel Infinity, vous dansiez avec les gardiens de la galaxie sur des super musiques comme I Want You Back des Jackson 5, comme Don't Stop Me Now de Queen, comme I Love Rock and Roll. On adore cette chanson de John Jett, je la chante très bien, je sais. Et donc voilà, on permet justement de pouvoir avoir des super musiques sur le parc Walt Disney Studios. Moi je suis vraiment un enfant des studios ici parce que c'est là que j'ai commencé à travailler et je suis vraiment ravi de pouvoir entendre ces musiques là ici. On a également un spectacle à l'extérieur, donc ce spectacle se joue jusqu'à 6 fois par jour. Avec cette chaleur en plus, c'est vraiment génial de pouvoir se défouler un petit peu, c'est vraiment chouette. On a un spectacle qui s'appelle également Stark Expo présente une énergie pour demain, où Tony Stark vient de nous présenter une nouvelle invention que Loki va essayer, dont Loki va essayer de s'emparer, pardon, c'était pas français ce que j'ai dit, pour permettre de mélanger avec ses technologies asgardiennes pour régner sur les 9 royaumes. Mais heureusement, donc, pour ce spectacle, on a Black Widow, Spider-Man et Thor qui vont pouvoir venir à bout des plans machiavéliques de Loki. Donc c'est un spectacle qui est basé vraiment sur l'humour Marvel et qui est vraiment accessible pour toute la famille. N'importe qui de 7, bah même de 2 ans, 77 ans ou plus encore, peut assister à ce spectacle et voir tous nos super-héros se battre de manière assez courtoise quand même. Et donc on a aussi donc dans cet univers Marvel et dans cette saison, on a également une rencontre héroïque avec Captain America, on a également des stands de maquillage pour permettre de vous transformer en super-héros. On a aussi bien sûr la magie qui continue jusque dans nos boutiques et nos restaurants avec beaucoup de produits exclusifs vraiment à cette saison des super-héros Marvel. Et on est ravis de vous accueillir tout autant que vous voulez jusqu'au 30 septembre 2018. Merci Aurélien, on peut l'applaudir pour ces infos directement du metteur en scène. Brian, we have time, I think, to take some questions from the room. On va prendre quelques questions, on a le temps pour deux questions de la salle. Donc si vous voulez, vous pouvez lever la main et l'une de nos hôtesses va vous apporter un micro. En attendant, Aurélien et Brian, how did you work together, Marvel and Disneyland Paris? To bring to life this season. Comment vous avez travaillé ensemble, Disneyland Paris et Marvel, pour apporter, pour créer cette saison? Yeah, I can speak to the Marvel side of it. We're a small team at Marvel, and so we in no way could do any of this stuff on our own. And so we rely heavily on the expertise of the Disney team to bring these things to life. So what we try to do is be kind of good advisors, good brand partners, collect all the information about where the Marvel Universe is heading in film, in comics, and beyond. And then we're involved from the very inception of the idea all the way through to opening day, merchandise, food and beverage, everything. So again, but we've got to rely on their expertise. So it's a total collaboration. Merci messieurs, on va prendre la première question. Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus sur le Futureland Marvel à Disneyland Paris? Okay, the question is, can you tell us more about the expansion that's coming here on Marvel? Oh, I wish I could. I wish I could. I know that's what you guys are dying to know. If I were you, I know, boo, I'm sorry. Stop, I know. Look, if I were you, I would take a look at that poster we released, right? And dissect it and learn everything about it, because there's great stuff in that poster. But trust me, we're working very hard with Walt Disney Imagineering to bring these things to life. So. Who knows what's gonna end up happening? I mean, I know, but I'm not gonna tell you right now. But trust me, it's gonna be great. You're gonna dig it. Donc Brian ne peut pas vous en dire beaucoup hein, ce soir. Par contre, il a un conseil, c'est de retrouver l'affiche qui a été diffusée ce soir et de regarder dans les moindres détails parce que apparemment Marvel aime bien distiller des indices. Mais on a annoncé quand même que le Rock and Roller Coaster allait se transformer en une attraction vraiment hyper kinétique avec les Avengers. So we're looking forward to it. Me too. Et moi, je ne sais rien. Tout le monde est. J'essaie de gratter, j'arrive pas. Donc, est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Moi, ma question, c'est sur la différence de fonctionnement de travail entre la création d'une attraction qui part d'une page blanche comme Iron Man Experience et la création d'une attraction qui part de la rethématisation d'une attraction existante comme Guardians of the Galaxy ou la nouvelle version de Rock and Roller Coaster qui va changer ici. It's a very interesting question. He wants to know what is the creative difference on how you work on a brand new attraction such as Iron Man Experience versus transformation of an existing ride like Mission Breakout or the upcoming Rock and Roller Coaster we do here. Yeah, I mean the difference really is the amount of time that we have to create something, to build something from the ground up.
takes years and years and years. In the case of Guardians of the Galaxy Mission Breakout, we started off with what was already a great attraction. And so we really were just re-theming it. So we started with a base, but we had to take everything out and then build a whole new story around it. So it really is the time that's involved. But it's either way, it's challenging because we still got to come up with a compelling story either way that delivers on the characters that you love and again, makes you the star of the story. That's the hard part. Voilà, la plus grande différence, ce serait vraiment le temps, puisque quand on parle d'une attraction existante, c'est plus facile. Mais le challenge est toujours de haut niveau, puisqu'il faut trouver des histoires originales afin de vous faire vivre au cœur de l'action en compagnie des personnages de Marvel. Une dernière ? Ah. Allô ? On vous entend. Bonjour. Je voulais savoir si... en modifiant les attractions en fonction de certains pays, certains parcs, ils se mettaient pas un petit peu une pression suivant les attentes de chacun, la population en fait à vrai dire de chaque parc, est-ce qu'il n'avait pas une pression en fonction des attentes de chacun? Do you feel pressure, you know, when you create a ride like for Hong Kong and for California? Is that a difference that you take into account, like the expectations from a certain audience in China, in California? Is that taken into account in the process, the creative process? Yeah, but I think that's a good problem to have. I mean, the thing that's great about working on these projects is that you guys now know who all these characters are. Guardians of the Galaxy 10 years ago, most of the world didn't even know who they were, and now there is an expectation of how you're going to deliver on the music, the action, the humor. So I kind of welcome that pressure, but we're always just really trying to find what's the right story to tell for that particular audience. So when we're thinking about Paris, we're thinking about what are the characters that you love? How do you want to engage with those characters? And so those are all things that we take into account when we're creating something new. Oui, il y a de la pression, mais c'est de la bonne pression, puisque la chance qu'on a, c'est que Marvel est connu à travers le monde entier. Mais voilà, ils vont étudier sur quel pays tel personnage est le plus pertinent, le plus apprécié. Et l'exemple qu'il a donné, c'est que les Gardiens de la Galaxie, il y a 10 ans, c'est vrai que personne ne les connaissait, mais ça a changé depuis la sortie des films et ils sont devenus très très populaires à travers le monde. Merci pour vos questions. On peut remercier Brian et Aurélien pour la conférence de ce soir. Avant de vous laisser, dernière info, la semaine prochaine, Marvel arrive encore plus en force ici. On a la chance à Disneyland Paris d'accueillir la grande première européenne du film Ant-Man et la Guêpe. Et ce soir, vous aurez peut-être l'opportunité, en participant à un concours devant la Tour de la Terreur, de gagner vos tickets. So next week, we have the immense pleasure to welcome the Ant-Man and the Wasp European premiere. And you might win a ticket by taking part into the competition in front of the Tower of Terror tonight. Merci à tous. Passez une excellente soirée. Il n'y a pas de surprise qui vous attend à l'extérieur. Et à bientôt. Thank you, Brian, Dr. Rania. Merci. Merci à tous.
not the Green Girl. Ok. Tu es prête ?